En notre qualité, donc je veux dire Agence nationale des parcs nationaux, en notre qualité de structure ou institution gabonaise à caractère environnemental, nous avons effectivement une part importante de nos activités qui portent sur la gestion de l'environnement en général et pour le cas de Mayumba de la plage en particulier. La plage, surtout celle où nous nous trouvons actuellement, est le principal site de divertissement et de récréation des jeunes, non seulement des jeunes, mais de la population de Mayumba et des visiteurs en général. Donc elle fait l'objet d'une attention particulière nous concernant. Nous avons au moins une à deux fois dans l'année des activités ponctuelles que nous menons comme ça, qui sont de l'opération plage propre, qui sont exécutées dans le cadre de notre programme d'implication des communautés. Donc, conformément à ce programme, nous nettoyons, nous appelons les volontés. Généralement, nous le faisons pendant que les élèves et étudiants sont libres, à les vacances. Nous les mettons en contribution et nous nous associons pour nettoyer la totalité de la plage de la commune de Mayumba qui fait, je vais vous le dire, en gros 8 km de longueur. Donc, nous partons de la zone de l'aéroport jusqu'au quartier qu'on appelle Tcholendembe. Donc nous nettoyons l'ensemble de cette plage. Ça c'est pour des activités ponctuelles. Pour ce qui est des activités plus fréquentes, nous menons beaucoup d'activités de sensibilisation dans les écoles, dans les quartiers et dans les différents villages pour parler non seulement de la gestion de la plage qui doit rester propre, mais aussi des différents autres thèmes liés à la gestion de l'environnement. On parlera de la chasse, de la pêche, qui font partie des activités exercées par les communautés ici, ainsi que l'agriculture et bien d'autres. Donc effectivement, nous contribuons aux côtés de la municipalité de Mayumba à entretenir les plages de Mayumba et les garder le plus propre possible.